Eh bien, salut à toutes et à tous. Et aujourd'hui, on se retrouve pour la reprogrammation de sa voiture. Donc, en fait, je vais vous présenter comment on peut modifier donc l'accélération, le freinage, le frein moteur, tout ça, avec la carte de reprogrammation. Donc là, c'est la carte de reprogrammation Connect, donc qui va avec l'ensemble des variateurs Connect. Que ce soit du 50, du 80, du 100 ou du 150 ampères. Il existe les mêmes choses chez les marques concurrentes. Je me suis pas renseigné trop dessus, mais je pense que ça fonctionne globalement de la même façon. De toute façon, moi, ça concernera seulement donc la carte de reprogrammation Connect. Donc, c'est parti. On regarde ça tout de suite. Donc tout d'abord, on va regarder les branchements qu'il y a à faire pour brancher donc cette petite carte. C'est vraiment très simple à brancher, vous allez voir. Donc il suffit de débrancher en fait le ventilateur. C'est la petite prise qui se situe juste ici. C'est une petite prise 3 fiches. Hop, vous la débranchez et vous branchez en contrepartie ce petit câble qui est fourni en fait avec la carte. Donc moi en fait je l'ai pas eu en fait je l'ai pas acheté toute seule la carte, je l'ai eu quand j'avais acheté un ancien combo Connect. Ils avaient fourni la carte de reprogrammation, donc c'était super intéressant. Je savais pas si elle allait être compatible puisque j'avais acheté un combo 50 ampères, mais j'ai vu qu'en fait elle était utilisable sur tous les variateurs Connect de la gamme. Donc on va tout de suite brancher ça, donc faites attention au plus et au moins. C'est la seule difficulté entre guillemets à laquelle il faut faire attention. Le fil noir sur le moins et puis après voilà. Donc là pareil. Hop. Une fois la petite carte branchée, vous allez brancher une batterie. Moi là j'ai mis une batterie 2S, hein, peu importe, c'est juste pour avoir un peu de courant. Et ensuite, vous allez faire comme si vous allumez la voiture, donc vous allumez le variateur en fait. Voilà. Donc là, on se retrouve sur la carte. Donc dans la notice, c'est très bien expliqué. Je vous fais cette vidéo parce qu'en fait, je viens de le faire. Mais du coup, ça me paraît intéressant de vous montrer comment faire. Même si c'est super bien expliqué dans la notice. Donc en fait, dans la notice, vous avez ce petit tableau. Donc là, ce petit tableau, il est valable pour la reprogrammation avec le variateur 50 ampères. Cette petite table-là, en fait, vous l'avez... Hop, vous avez exactement la même sur la voiture. Sur la carte. Donc vous avez en fait la table 1 qui correspond à la reprogrammation pour les variateurs 100 et 150 ampères. La table 2 qui correspond à la reprogrammation pour les moteurs 50 et 60 ampères. 60, d'accord. Et la table 3 juste derrière pour les moteurs, les variateurs 80 ampères. Donc nous, ce qui va nous intéresser, c'est celle pour les 100 ampères, puisque mon variateur est un 100 ampères. Donc ça reste globalement la même chose hein, sur les 50 et les 80 ampères. Vous allez voir. Il existe... des cartes, donc là vous avez vu, en fait il y a 5 modifications qu'on peut faire avec cette carte. Donc c'est le mode de running, je sais pas comment on peut appeler ça, le mode de fonctionnement. Ensuite en 2 vous avez la puissance du frein moteur. En 3 vous avez la coupure de tension minimale par cellule. Donc ça c'est pour éviter de griller les batteries. Le mode d'accélération, donc si vous voulez que ça accélère plutôt progressivement ou si vous voulez que ça envoie toute la sauce. Et en 5, vous avez la puissance du freinage. Donc, en fait, regardez par exemple, ce qui différencie vraiment entre le 100 et le 50 ampères, ça va être par exemple pour le mode d'accélération. Là, pour le 100 ampères, vous allez avoir 9 modes différents, 9 puissances différentes d'accélération. Alors que pour le 50 ampères, vous allez avoir que 4 possibilités, 4 choix d'accélération. Après, il faut voir ce que ça vaut, vraiment faire les différences et tout ça. Donc, vous avez en fait 5 items. Donc, l'item qui correspond ici, c'est chaque
modifications qu'on peut faire. Donc là, on est sur le premier item. Et on a le choix donc entre marche avant avec frein, marche avant, marche arrière avec frein ou marche avant, marche arrière. Donc en mode 2, j'ai choisi marche avant, marche arrière avec frein. Voilà. Donc vous choisissez votre valeur en cliquant ici. Donc là, par exemple, si je voulais juste marche avant, marche arrière, hop, je mettais valeur 3 et OK. Sauf que moi, je vais mettre la 2. Je fais OK. Hop. Ensuite, on fait item pour changer d'item. On passe à la deuxième modification qui va être le frein moteur. Donc en fait, elle était à 0% pour moi. Donc sur la valeur 1. Et je voulais augmenter un petit peu en fait le frein moteur. Du coup, j'ai mis à 5%. Je verrai ce que ça donne, je verrai si ça me plaît, si j'en veux plus. Et voilà. Donc vu que c'est assez simple à faire, je m'inquiète pas trop. Du coup, OK. Ensuite, on change d'item, item 3. Et donc là, en fait, on choisit le voltage minimal par cellule. C'est-à-dire que la cellule de la batterie ne descendra pas en dessous du voltage que vous choisissez. C'est très intéressant pour ne pas griller ses batteries. J'ai plus la valeur exacte en tête, mais je crois que si la batterie descend en dessous de... Ça doit être 2,9, quelque chose comme ça. Si je dis des bêtises, reprenez-moi les commentaires, il n'y a pas de souci. Si la batterie en fait descend trop bas en voltage, ça risque de griller les cellules en fait, qu'elle cesse de fonctionner. Donc moi j'ai choisi la valeur 4. La valeur 4, ça fait 3 volts par cellule. Je pense que c'est suffisant. Sur mon ancienne voiture, sur le 50A, j'avais mis 3,2 et j'avais été vachement embêté en fait. Parce que dès que je faisais des grosses accélérations ou ce genre de choses, comme ça tirait beaucoup sur la voiture, et bah ça faisait des coupures. Pendant 2-3 secondes, je pouvais plus utiliser la voiture parce que bah elle s'était mise en sécurité. Disons que c'est une bonne sécurité, vaut mieux ça que l'inverse. Voilà. Ensuite, on passe au quatrième item. Donc là, on peut choisir le mode d'accélération. Il y a du niveau 1 au niveau 9. Et donc, moi j'ai choisi la valeur 5, donc c'est le level 5. Simplement, et après ça c'est vraiment chacun comment il aime que sa voiture se comporte, et puis même le type de terrain que vous fréquentez. Si vous faites beaucoup de reprises et tout ça, c'est intéressant d'avoir une voiture qui accélère très fort. Si vous faites plutôt de la ligne droite, il n'y a pas forcément d'intérêt, et puis même c'est intéressant parfois d'avoir une accélération un peu basse histoire que la voiture ne patine pas trop au démarrage et qu'elle garde bien l'adhérence. Et donc, le cinquième item, c'est la force du frein. Donc, vous avez 25%, 50%, 75%, 100% et désactivé. Alors, désactivé, c'est quand vous êtes en mode 3 ici et que du coup, bah, vous le mettez comme ça. Enfin, je sais pas trop comment ça fonctionne, mais voilà. Donc, pour ceux qui ont des 50A et des 60A ou des 80A, donc différents du mien, vous avez bien sûr les tables hein, qui sont juste là. Donc il n'y a pas de souci là-dessus. Je sais, justement je voulais vous en parler, qu'il existe, je sais pas si c'est en fait le variateur ou si c'est la carte qui fait ça, mais parfois on peut avoir donc 11 réglages. C'est possible que ce soit les 80A qui soient compatibles avec cette version d'avoir 11 choix possibles. Parce que vous avez le mode de fonctionnement. Choisir le type de cellule que vous utilisez, donc si vous êtes en 2S, 3S, 6S, vous pouvez monter jusqu'en 12S, ça me paraît énorme. Donc ça c'est pareil, c'est le cut-off de la batterie. Une sécurité au niveau de la température, c'est intéressant aussi, donc si vous montez au-dessus de 125 degrés, je pense que le vario se coupe. C'est la température du vario, là c'est la température du moteur, et là le type de rotation du moteur, je sais pas ce que c'est exactement. Bec voltage, c'est ce que vous mettez en plus. Par exemple, quand vous branchez des lumières, quand vous branchez votre récepteur et tout ça, ça consomme un voltage en plus. Donc vous choisissez si vous voulez vous mettre en 6 volts. D'office, c'est du 6 volts sur 100 ampères. Ou du 7,4 volts. Ensuite, donc là, voilà, c'est la force du frein. Max reverse force. Donc la force de marche arrière, ça serait. D'accord. L'accélération et le frein moteur, voilà.
Et donc vous avez en 11e possibilité le frein moteur. Donc là, vous avez plus de choix. On a 0%, 2%, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. D'accord. Contrairement à nous, frein moteur, on a 0 à 100%. Ça, c'est étrange. Drag brake et drag brake force. D'accord. Bon, je sais pas exactement c'est quoi la différence. Bon, bah écoutez, c'était une petite vidéo pour vous présenter la carte de reprogrammation de chez Connect. Vous avez vu, c'est très simple. La notice est très claire. Sur ce, je vous souhaite une bonne semaine et on se retrouve la semaine prochaine. Peace.